Bonjour à tous. Je vous fais cette vidéo parce qu'au fur et à mesure des séances de scan, je remarque que vous êtes très nombreux à vous questionner sur le sujet professionnel. Quelle est ma mission de vie? Quelle est ma contribution au monde? Est-ce que je suis plutôt leader, plutôt fait pour être entrepreneur ou salarié? Dans quel environnement est-ce que je m'épanouis au mieux? Quel est mon rapport à l'argent? Ou quelles sont mes craintes ou les peurs inconscientes qui m'empêchent de m'épanouir pleinement et d'aller chercher ce que je cherche? Quels sont mes fonctionnements, mon mode de communication, etc., etc. Ou encore, comment cette situation que je vis actuellement et qui ne me convient pas va-t-elle évoluer dans un sens ou dans l'autre? Bon, toutes ces questions, souvent on est amené à aller chercher les réponses à travers un bilan de compétences, par exemple. L'inconvénient du bilan de compétences, c'est qu'on reste au niveau du mental, de la tête. Donc on gratouille, mais en surface. L'avantage du scan thérapeutique, qui est une lecture énergétique, et qu'on va aller vraiment creuser dans vos tripes, dans quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui vous faisait vibrer, qu'est-ce que vous aviez déjà en vous et que vous souhaitiez exprimer au monde, et vers quelle contribution est-ce que ça vous amène, par exemple. Tout ça pour vous aider à trouver qui vous êtes vraiment dans ce contexte professionnel et pas seulement ce qu'on vous demande d'être. Alors le scan n'est pas une séance de voyance, on n'est pas à vous dire à telle échéance vous allez être dans tel métier pour telle entreprise. Ça serait trop limitant. Dieu merci, on est compatible avec plein de métiers possibles. Hein. Vraiment le scan, c'est une boussole, je dirais, une boussole qui vous permet d'aiguiller et de rétrécir les choix sur les domaines, l'environnement, les fonctionnements dans lesquels votre énergie s'exprime au mieux, et donc cet environnement qui vous permet, vous, d'exprimer pleinement vos talents. Déjà en une séance, on arrive à bien débroussailler le sujet, ce qui vous donne des clés et des axes pour orienter votre plan d'action et vos réflexions professionnelles. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller visiter mon site Madeleine Scan Thérapeutique. Tout est expliqué, et puis je serai ravie de répondre à vos questions. À bientôt!